La police saccage famille avion Air Force. Presque toute famille un peu haïtien et bien prend un atterrissage forcé. Ça pas fait voile pour pays sans chapeau. Yon a mis la police peu haïtien, y a bay explication comment vol la teye. Pour même qui pas connaît, gade image ça ensemble avec ces individus ça, y aurait les avions qui tap volé sans camper dans département centre pays qui prend un atterrissage forcé tombé li pas levé. Après qu'aucune chaîne travaille ça, eh bien faut que moi dise magistrat ville Mirbalea cementé. Eh bien peuple haïtien, territoire côté l'a dirigé a les papillons territoire perdu. L'organisation RNDDH, une organisation soi-disant qui défend droit moun, une organisation droit moun alias droit des bandits. Je dis à vous fin faire tout dégât social côté supposé faire avec organisation bidon ça. Ou même ensemble avec Marie-Hélène Gilles qui a dirigé fondation GPT éclairé. Je dis à ou pas capable de parler sur plateau Le Point, sous télémétropole, quand on vient parler comme un monde sérieux, pas un monde sérieux, dans un pays sérieux, tu es supposé marrer déjà. Exactement. Nous ne savons pas pour qui secteur de travail, mais nous déjà connaissons la patrie. Ou pas travailler pour bien pays. Parce que tout problème sécurité nationale, tout problème pays a gagné là, en termes de sécurité publique, plus précisément en police criminelle, ou c'est un monde qui cause yo, ou sont apatrides. Jean-Abdoulan, nous-mêmes au sein de l'organisation vétérans et amis donc de la police nationale d'Haïti, je dis à celle pour tout le monde qui a une virginité sociale, tout le monde qui a une virginité sociale, c'est là ça pour parler. Parce que nous, pays à tout le monde sérieux, yo fou et tête non gros, non trou, yo ba vagabond pays à bambilé. D'accord, garçon. Nous toujours dit que l'une des raisons principales qui te fait nous fonder l'organisation Vétérans et Amis donc de la police nationale d'Haïti Vapona en février 2015, c'est parce que nous te ouais que organisation droit de l'homme ça yo alias droit des bandits ça yo tant que RNDDH cap dirigé par Pierre Espérance, fondation GPT éclairé cap dirigé par Marie-Hélène Gilles, moun ça yo objectif c'était affaiblir la police là. Fais des rapports, fais un paquet de vieux rapports, faux rapports, fais pression sous l'inspection générale de la police nationale d'Haïti pour livrer policiers. D'ailleurs, le policier est avant tout un citoyen, lui joue de droit civil et politique. Sous son organisation, droit moun, mais policier a gagné droit tout. Mais je dis, on a tellement fait des gars. Non, premier temps, c'est soit agent de police qu'on a fait des gars. Ou aujourd'hui, même moi aussi, chef de police, obligé à dénoncer. Li est en trop tard parce que des gars fait, ou est en ravage le pays. Exactement. Tout problème sécurité nationale que le pays a gagné là, côté toute famille haïtienne divisée, nous, comme si nous retournions dans l'esclavage, maman, papa, petit, chakombo. Ou c'est un monde qui la cause. Non, pays sérieux, on n'a pas venir parler sur le monde. Jamais. Non, pays sérieux, on n'a pas bon côté pour parler. Oui. Ou sont complices. Même je vais citer non paquet de nègres qui bandit dans le pays ou sont gros bandits tout. Pas oublier qu'on ou crase ou institution républicaine qui est la police nationale d'Haïti ou affaiblir institution avec une organisation bidon ou aller sous plateforme Le Point ou pas de penser bien ou connaît Wendell Théodore son journaliste avisé éclairé. Exactement. Koto dit ou te travaille avec la police. Qui koto? Ou pensez que moun nan pays qui amnésique? Mes amis. Ou sont nèg qui anti la police nationale d'Haïti? Oui. Et puis organisation là, son organisation Kaka Jaco. Ou bon, li nan tout sauce. Li nan politique, li fouye bouche nan tout bagay. Jodi, il faut que moun sérieux qui gagne vigilance sociale. Je viens parler avant. Jodi, c'est là pour tout moun gagne vigilance sociale, tout moun gagne vigilance sociale, yo pou vinn parler dans pays a. Nou pa ka livre pays a bay vagabond. Vagabond c'est vagabond lié. Quel t'habillé, quel t'a sapate.
Nous même nos organisations vétérans et amis donc de la police nationale d'Haïti Vapona n'a profité dire que nous pas oublier ce faire. Nous pas oublier ce faire pays là. Ces mêmes gens dernièrement nous t'a parlé. Nous t'ai parlé avec Premier ministre Joseph Jout qui t'a causé dégâts sociaux pâle soi-disant il était président du Conseil supérieur donc de la police nationale d'Haïti CSPN. En direct, en de palais national, li campé, li blasé un chef police. Oui. Ex-commandant chef donc de la police nationale d'Haïti. Aïe 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 mon cher, ramo passé misère en bas mes vacabon ça yo vrai oui. Aïe aïe aïe, songe ba yo. Ramo passé misère. Ramo passé misère papa ici. Ache. Yon jou n'ap konnen pou ki sa ou nèg yo te rayi Normil Ramo comme ça. L'inspecteur général de police Ramo Normil. Exactement. En direct. Li blason chef police. Kounya jodi a la vinn di konsa ke aussi Ramo Normil te commandant chef police, yo pa t'ap manje président apen. Eh bien, yo tout te la, yo tout te la, yo t'ap fè gang tout côté. Yo tout te la, c'est même yo même nan oui. C'est même yo, mais c'est toujours comme ça. Et même yo même nan oui. Parce que façon Normil Ramo te campé peuple haïtien, yo wè un ba la pap ka fèt n'importe comment. Ou pas ouais ça joute te dit dernièrement joute d'où comme ça que les opérations t'a pas fait dans village il pas au courant chef CSP nous s'il vous plaît il pas au courant il pas de compte bagaille comme ça après assassinat Jovenel Moïse hein mini justice là t'est barré toute rentrer ti la pli rentrer ils sont nèg yo pas ka bouger révoqué la mission est fin révoqué. Dans même jour soir, Premier ministre Baylord, eh bien, Bazi l'a pli débloqué. Tout compte de sorti. Gang yo à l'aise. Et je te dis, il parle ensemble avec 600 000. Il pas perdre un grand citoyen. Eh bien, il n'a pas perdu citoyen, mais citoyen, il va prendre territoire Kounia. Va cabrer, oui. Ex-premier ministre Jout, dégâts social côté créé, dégâts social côté fait dans le pays, nous prenons notre. Yo été là. Même j'ai avec sénateur Moïse Jean-Charles, en pleine séance au Sénat de la République, li campé, li blason chef police, ex-commandant chef police, Gorson Aurelius, au carriériste dans la police nationale d'Haïti. Au sénateur de la République, nous convoquons un commandant chef police qui gagne des milliers d'hommes et de femmes sous commandement, sécurité pays à sous dol, nous avons façon pour ne pas laver. Gede baga que nous besoin reprocher, nous avons fait ça à huis clos. C'est parce que nous n'avons pas d'étoffe d'État, nous n'avons pas de comportement, nous n'avons pas de pli, nous n'avons pas de standing. Yon qui n'a pas yon, faut faire gang yon plaisir tout. Bonjour, on fait baye là, son message yon voye baye gang là, même Jean Aristide te fèl. A paltera, le la police mette kopé sous stang ensemble avec gang pour. Fait ou bail la mais pour faire la paix. Qui rapport qui gagne ensemble avec gang avec la police? C'est là où tu as besoin de vivre ensemble avec nous. Garçon. Comment ça, société haïtienne, l'irrité, l'évaporé, t'as quoi, c'est ton nom? Oui. Eh bien, nous ne respectons pas la science qui est la sociologie. Exactement. Comme nous-mêmes haïtiens, nous choisissons qui est pour nous croire dans la science, qui est pour nous pas croire dans la science. Comme si nous d'après pour nous badiner, nous faire badinage avec un pays, et puis nous pensons que le pays a, et comme si le pays a pas évaporé, mais nous t'as quoi, c'est ton nom? Effectivement, chef Pam. Eh bien, mon frère, Pierre Espérance, pas pensons sur mon sérieux. Ok? Mettez dans tête tout que la nation pas pour être sérieux. À travers une organisation bidon qu'on monte, par contre, qui est-ce qui est dehors? Par contre, pour qui c'est que tu as travaillé, mais nous, tous les Haïtiens, nous connaissons la patrie d'où. Tout gros problème pays a gagné là, ou est famille. Maman, papa, petit, divisé, chacun vit au côté. Pays a gangsterisé. Pays a banditisé. Nous vivons dans le pays a ce qu'on pourrait appeler le gangsterisme d'État. Le banditisme d'État. Eh bien, ou même, ou c'est un monde qui cause. Ok? Ou son destructeur, ou même ensemble avec Marie-Yolène Gilles. Effectivement. Prends responsabilité sociale, nous. Mais pour ça, nous te travaillons. Je dis au baka, regardez, en matière policière, les preuves sont là. Ou travail pour affaiblir la police,
pour des bandits priorité dans le pays. C'est ça qu'on fait. La police nationale affaiblie. Et bandit lui-même, c'est lui qui a dirigé le pays. Nous vivons là dans le pays, ce qu'on pourrait appeler le banditisme d'État, le gangstérisme d'État. Et mais pour soi, tu travailles. Ok? L'histoire va juger où? N'a profité dit Pierre Espérance, qu'en matière policière, la responsabilité est personnelle. Il faut prendre responsabilité sociale pour la destruction sociale que fait dans la société haïtienne. Jodi a là, le plus gros problème du pays, c'est la sécurité nationale. Tout le monde menacé. Haïtiens, comme si j'en avais vivre là, nous retournons dans l'esclavage. Chaque monde en bas. Maman en bas. Papa en bas. Petit en bas. Chaque passé domaine, yo Canada. Chaque pas Canada, yo États-Unis. Chaque monde en bas. Séparation familiale. Même les gens qui vivent dans le pays, des grands commis donc de l'État, ne qui regardent dans la police. Madame Yombo, petit Yombo, ne ou pas le contrôle la caillou. Eh bien, qui a si causé ça? Nous avons toujours un problème politique en Haïti. Pas que j'aime pas un problème politique. Nous-mêmes, la génération 70 ans, les gens qui fêtent dans l'année 1970-79, qui gros problème pays si nous commençons? Nous ne pouvons pas finir, soit en une fille. Nous allons finir une année l'école. Vieux tourner son coup d'État. Mais pays, famille haïtienne était toujours là. Nous habitués à des problèmes politiques. Mais cyclone ça, cyclone social ça, qui a passé dans le pays là. Nous ne jamais rien. Pays n'a pas de jamais venir au niveau comme ça. Ça fait que nous avons un problème de sécurité nationale. Eh bien, une institution qui est la police nationale d'Haïti, qui soi-disant est là pour la sécurité, pour protéger vie moun, bien moun. Eh bien, où t'es mouton organisation? M'bakon qui est-ce qui voye ou? M'bakon pour qui est-ce qui travaille? Mais nous-mêmes haïtiens, nous connaissons où sont apatrides. Parce que l'organisation là, lui cause beaucoup de torts sociaux à ce pays. Organisation là, son destruction sociale li fait. Ou même avec Marie-Hélène Gilles. Parce que nous tous les deux, c'est bon. Bob et Baba campagne nous. Même si vous ne connaissez pas si c'est à l'aise, si c'est calme économique ou bien à l'aise financier qui est divisé, nous chaque fois bon, mais nous tous les deux, nous marchons de pair. C'est Georges et Baba campagne. C'est 50 combats avec deux goudets. Jodia, ou pas capable de paraître sous le point, sur un grand plateau national comme ça, hein? Pour avoir troubler vigilance, nous toujours. Faut prendre responsabilité sociale. Faut prendre responsabilité sociale. Société haïtienne est évaporée. Donc, quoi s'étonne? Et bon, c'est un homme, c'est un acteur. Parce que, ou mettons une organisation bidon qui est le RNDDH, une organisation soit des qui défend droit de l'homme, alias droit des bandits, ou affaiblit la police nationale d'Haïti. Ou pas qu'on a rien, ou pas gain aucune formation policière, ou pas qu'on a rien dans la police. OK? Ou pas qu'on a rien dans la police. Si on demande au Pierre Espérance en matière policière, quels sont les quatre niveaux de force en yon pas qu'on est? Et même quatre jours, oui. Comme ou de a fin causer dégâts sociaux, yon pas gain rien qu'a fait encore. En matière policière, il y a quatre niveaux de force. Un premier niveau de force, la présence de l'officier, la commande verbale. Deuxième niveau de force, contrôle à main douce, contrôle à main dure. Troisième niveau de force, bâton gaz lacrymogène. Quatrième niveau de force, la force mortelle, policier a dégainé le préposition 4. Un policier pas tué un monde. Li stoppe un suspect qui t'a commet une action, soit qu'elle mette vie au monde dans la population en danger ou bien vie population ou bien vie policière en danger. Est-ce qu'on maîtrise les quatre niveaux de force en matière policière pour rédiger des rapports contre la police, contre des policiers? Ou pas qu'on a rien dans la police? Qui sont qu'on est? Est-ce qu'on connaît les éléments basiques en maintien de l'ordre? Simo, c'est une unité de police qui spécialise
ça me carrelé en maintien de l'ordre, en police anti-émeute. Six mots sont six qui signifient corps d'intervention et du maintien de l'ordre, donc de la police nationale d'Haïti, qui sous tutelle de la direction centrale de la police administrative des CPA, donc de la police nationale d'Haïti. Qui contrôle tes chita ou tes informations? Qui sont contre la police pour prédiger des rapports? Rapport qu'on a prédit contre les policiers. Est-ce qu'on compte qui force policière a été utilisée? Parce que toute force policière utilisée doit être proportionnelle. Est-ce que le policier a été commis une action? Est-ce que tu as une force là-bas proportionnelle? Bon, bah, on n'a rien dans quatre niveaux de force. Les quatre niveaux de force en matière policière. Est-ce qu'on maîtrise ça, Pierre Espérance? Tu vois qu'on n'a rien. Ok? En métier de l'ordre. Qui sont qu'on est en métier de l'ordre? On dit que six mots. Allez, faut intervention, des manifestations. Avant six mots, faire une intervention, ils font formation. Première ligne, lire les éléments d'attaque. Deuxième ligne, lire les éléments d'appui. Ligne qui n'a mis en les éléments d'épi. Ensuite, il y a les sûretés latérales et sûretés arrière. Moun kap commandé à les chefs d'équipe. Li capable un inspecteur de police ou bien un inspecteur principal de police ou bien un inspecteur divisionnaire de police. Li gen pou bay 3 sommations policières. Pour dire la police mande nous pour nous déplacer. La police mande nous pour nous déplacer. La police mande nous pour nous déplacer. Si on va déplacer avec 3 sommations, eh bien li dit chargé. Est-ce que on connaît sacré les yon hair simple ou bien yon hair double? Pierre Espérance, ou pas qu'on a rien. C'est ça dans le pays, c'est vagabondage ça. On est resté là, les moutons ont une organisation politique, ont une organisation bidon pour faire Berli. Après, j'ai des rapports contre une institution républicaine, il n'y a pas aucune formation policière, il n'y a pas aucun séminaire qu'elle prend. Il affaiblit l'institution, il écrase jusqu'à ce jour-là, le pays a banditisé, le pays a gangsterisé. C'est le gangsterisme d'État. C'est le banditisme d'État. Et puis je dis à vous camper dans figure monde pour venir paraître tête ou comme un monde qui a un comportement de bon enfant. Nous-mêmes au sein de l'organisation vétérans et amis donc de la police nationale d'Haïti, nous pas pardonner ce qu'on fait pays là. Nous pas pardonner ce qu'on fait la police nationale d'Haïti. On pas jamais capable de faire les forces armées d'Haïti ça. Comprendre comme pays là je dis à ces vagabonds qui mener. Un bonjour, mon série amené. Parce que le pays n'a pas de carité comme ça. Nous avons connu Pierre Espérance. L'une des raisons que nous-mêmes, des anciens policiers nationaux, donc de la police nationale d'Haïti, qui vivent dans les communautés de la diaspora haïtienne, plus précisément à New York, la raison pour laquelle nous avons fondé l'organisation Vétérans et Amis donc de la police nationale d'Haïti, VAPONA, en février 2015, à New York, c'est parce que nous avons remarqué que la police nationale d'Haïti est une force de police orpheline. Nous avons vu que vous-même, Pierre Espérance, ensemble avec Marie-Hélène Gilles, qui a dirigé la fondation GPT Clairé, et bien nous avons utilisé la police pour nous faire beurre nous. Son petit parti politique, une organisation politique, une organisation bidon que nous montons, alias Banque Nationale de Crédit, pour nous faire beurre nous sous la police jusqu'à ce que nous arrivions à affaiblir la police là. Jimmy Cherizier, qui sont anciens policiers, qui t'a affecté dans l'unité départementale de maintien de l'ordre de l'Ouest, UDMO, de la police nationale d'Haïti. L'idou, ça fait côté lié là, ça fait le campé là. Est-ce qu'on remarque qu'il y a des dégâts sociaux que vous causez à pays là? Je dis, on ne peut pas être comme un monde de bien. L'une des raisons principales qui te fait fonder l'organisation Vétérans et Amis donc de la police nationale d'Haïti, c'est parce que nous te voyons que dans l'annexe passé là, RNDDH qui dirigé par Pierre Espérance, fondation GPT Clairé qui dirigé par Marie-Hélène Gilles, moun sa yo, c'est un coup son petit parti politique qui a fait alias Banque Nationale de Crédit, puis on a fait beurre sur la police nationale d'Haïti. N'a pas gardé interview ça côté Pierre Espérance sorti pour troubler vigilance Wendell Théodore qui c'est un gros journaliste dans pays
qui a un gros plateau. Et là, sous plateau, ça, obligé par les vérités. Mais, gros bagaille que Pierre Espérance pas connaît. Wendell Théodore, c'est un monde qui sous forum WhatsApp de l'organisation Vétérans et Amis, donc de la police nationale d'Haïti, Vapona, côté qui gagne tout haut gradé, tout haut commandement la police là, tout haut commandement élargi la police là. Cela veut dire que il y a des informations qui véhiculent, informations qui professionnelles, qui parlent de la police nationale d'Haïti, qui parlent de structure administrative et opérationnelle, donc de la police nationale d'Haïti. Pierre Espérance, c'est un monde, ensemble avec Marie-Yolaine Gilles, c'est un monde qui cause un paquet de dégâts sociaux dans le pays. Aujourd'hui, ni Pierre Espérance qui a dirigé RNDDH, ni Marie-Yolaine Gilles qui a dirigé Fondation GPT Éclairé. Donc, il faut prendre responsabilité sociale. Yo. Dans tout dégât social que causé dans le pays. Jodi a, joué pays a est là. Côté, c'est le banditisme d'État, le gangstérisme d'État qui a dirigé. Eh bien, moun sa yo, yo causé explosion sociale ça. Jodi a, Pierre Espérance pas qu'a vienne parler comme un monde sérieux. Non, ni Marie-Hélène Gilles tout, moun sa pas qu'a vienne parler comme un monde sérieux. Parce que, ou pas qu'à une organisation soi-disant droit de l'homme, alias droit des bandits, nous fait tout le temps nous que nous affaibli la police nationale d'Haïti. Sans pour autant que nous n'avons aucune formation policière. En matière policière, il y a quatre niveaux de force. Premier niveau de force, la présence de l'officier, la commande verbale. Deuxième niveau de force, contrôle la main douce, contrôle la main dure. Troisième niveau de force, bâton, gaz lacrymogène. Quatrième niveau de force, la force mortelle, ou proposition 4 ou dégainer. Policier pas tué moun. Policier a stoppé yon suspect, soit qui t'a causé, mette vie yon moun dans la population en danger, ou bien mette vie policier en danger. Est-ce que Pierre Espérance, soi-disant, au monde qui a dirigé une organisation droit de l'homme, alias droit des bandits, ensemble avec Marie-Hélène Gilles, qui est en fondation GPT Clair, parce que j'ai moun sa yo, l'éclairer le pété. Jodia, il est temps pour moun qui a virginité sociale. Moi-même, moi j'ai virginité sociale, moi m'a parlé. Moi j'ai maturité matrimoniale, moi, et j'ai majorité matrimoniale, moi tout. Gros bon exemple, j'ai le droit de naître social. Li lè pou moun sérieux parler dans le pays. Nous suivons, nous-mêmes au sein de l'organisation Vétérans et Amis, donc de la police nationale d'Haïti, nous suivons attention, avec attention, interview que Pierre Espérance, qui a dirigé RNDDH, une organisation soi-disant droit de l'homme, alias droit des bandits, qui vient causer un paquet de dégâts sociaux. Je dis à la vie de paraître. Tant que je dis à la vie d'essayer d'adopter un comportement de bon enfant. Nous pas pour qui secteur que vous travaillez, mais nous connaissons pour nous travailler pour le pays. Parce que les dégâts sociaux, ça, vous fait dans le pays. Tout abus, ça, vous fait. Tout menti, ça, vous fait sur un paquet de policiers, jusqu'à ce qu'on affaiblisse la police nationale d'Haïti. Vous n'êtes pas capable de faire les forces armées d'Haïti, ça. Il y a un policier qui est Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Monsieur Kabe plusieurs fois, il dit que lui-même, il son écrit, mais la police nationale d'Haïti en pile. Et l'on a regardé, monsieur a un tatouage sous lui qui écrit PNH. Je ne suis pas placé pour mal faire un malfaux étude pour m'entrer dans l'hôpital, monsieur, ou bien m'entrer dans le cœur pour continuer la police. Mais matière policière, preuve son gros bagaille. Monsieur qu'on tatouage sous lui. Monsieur dit que c'est Pierre Espérance qui te font faux rapport qui fait sortir dans la police nationale qui vient métamorphoser côté là le campé là. Mais un policier comme ça. Ou pas penser si next ça était dans la police, c'est un grand policier. T'es ca, il pas dans l'autre camp. Eh bien jodi a en pile monde t'es ouais tout dégâts. RNDRH a fait dans le pays. Pas de jambes, moun pas de jambes dit rien. Parce que c'est agent seulement qui est une victime.
comprenez, c'est agent de police qui est victime. Et bien, je dis, ah ouais, mais mon ex-commandant chef police, même lorsque monsieur vient dénoncer ça trop tard, même mon ex-commandant chef police, ambassadeur Léon Charles, l'oblige à dénoncer Pierre Espérance pour comportement qu'elle gagne. Vous comprenez? Je continue à voir ça parce que je ne veux pas le trop long, mais je veux que pour tout le monde entendre voir ça parce que son voice qui est très important. Je dis à l'île temps pour tout le monde qui a une virginité sociale dans le pays à parler. Parce que c'est un pays qui est infesté par des vagabonds de tout acabit. Bagayo papiti, non papa ici. Bagayo papiti. Ou équipe vagabond qui a monté des sons. Hein? Espérance ou abgade là, c'est pas n'importe qui. Espérance, aïe aïe aïe, sont experts, papa ici. Non, fait diversion. Oh, monsieur fort. Moi-même, c'est l'argent, j'ai eu un cajou, venez là, m'a tonné. L'argent, plus passé 50 combien millions de dollars, y'a te ramassé, bad, y'a te mettre dans la machine. Faut nous bailler contre l'argent, nous coquons trop. Nous coquons trop. Mesdames, mademoiselles et messieurs, Ariel Henry, dans le pays, eh bien, Guyane, là, il participe dans la 46e réunion. Et CARICOM, donc, dans la réunion, si là, gay premier ministre Antigua et Barbuda, qui c'est Gaston Brown. Eh bien, il a dit à la boule figue Ariel Henry, il dit Ariel, retirez quoi dans tête pays pour permettre une transition politique qui fait pour que vous capable de jouer une solution crise là. Parce que ou même ou c'est principal obstacle qui empêche pays à faire progrès. Mes chers compatriotes, restez connectés. Rendez-vous à Sepita, 2 heures ensemble avec Yannick et 7 heures ensemble avec Zami Pao Foucault. Nous prenons bousquer information dans le pays d'Haïti à quoi à l'étranger pour nous porter pour vous. Bisous, bisous. Bon fin journée. Tes belles vestes, tes chauvelinettes, on s'est sélique l'État. Nous fondons le pauvre millionnaire, pas dans nos mêmes l'État. Bateau a bien tant coulé, le moins nous style à gouverner. Nous chargeons Dieu pour nous prier, mettez nous là dans mes aînés. Et nous besoin condamnés. Chaque monde qui vient de repasser, nous ne pouvons pas gâter. Gâter, gâter, ta nous. M'en vie qu'on signe l'état, nous l'état tout. Nous pas qu'on doit nous. C'est ça que fait pas j'en café de voile. Civic
résienne. Depuis nous qu'à manger un pain avec le sucré, nous a respiré. Mais devant nous qu'à vivre, nous n'avons pas existé. Nous gommons pour nous baisser à pouvoir. Pourtant c'est au grand bagaille ou empiré. Qu'il est n'avait sorti nos fait noir. Nous mal, mal, mal. Faut bourgeoisie qui est pays à nos coups. Y'a qu'un pouvoir et qu'un franchise pour pas tout. Y'a qu'un fait la loi et y'a qu'un bête pour y honnête. Yo ban ye bandit, tu le bourgeoisie. Les yo envie, fait nous pas capant la vie. Yo qui pouvoir et yo qui est tout fouillonné. Yo pi à l'aise que policier. C'est yo même celle qu'autorité. Qui l'en a pour dénoncer. Si c'est pouvoir yo. Yo pi à l'aise que policier. C'est yo même celle qu'autorité. Qui l'en a pour lever. Camper dans l'isien bourgeois. Bye.